La maison s'agrandit d'une douche extérieure bordée d'un muret circulaire. Cette terrasse, munie d'un muret ancien, a été redessinée pour accueillir une douche. Pour hausser le mur, un mortier de chaux et de sable est étalé. Les pierres sont posées en lit, c'est-à-dire à plat, en choisissant la face régulière qui sera plus facile à revêtir. Les pierres suivantes sont choisies pour alterner les joints et suivre la courbe. Aux angles, de grosses pierres appelées boutis traversent le mur pour le bloquer. Elles alternent avec d'autres, les panneresse, posées dans le sens du mur. Le sol, où adduction d'eau et évacuation ont été réservés, est carrelé. Une fois le mur habillé de plaquettes de parement et le madouche monté, il ne reste qu'à se déshabiller pour en profiter.